Salut tout le monde, c'est Doom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur The Forest pour la suite des aventures de Paco et de Shino, c'est parti. Salut Paco. Ah, comment, Paco. Comment tu vas crier dans les oreilles? Paco el diablo, oui, et Shino el loco. Vamos a la montagne. On est de l'Ultul. De l'Ultul. Ah, j'ai cherché du Pokémon. Par contre, alors, tu te souviens de ce qui s'est passé dans cette cabane? Bref, alors on va éviter de reproduire ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Notre maison a été défoncée par des indigènes pas très contents. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous auriez du pop-corn? Oui, oui, tout à fait, je voulais voir ça. Le dernier mensuel de Maxime. Voilà. Avec les femmes toutes nues, avec les gros seins. Tenez, voilà. Merci. Allez. Excusez-moi, vous avez... est-ce que vous avez des préservatifs? Non, du tout. Allez, on fait pas ça dans les bois. Allez, c'est interdit, vous avez pas vu le panneau à côté? S'il vous plaît, y a une Bambi là qui m'a aguiche, wesh. Allez, vous en. C'est bizarre qu'il y en ait pas. J'en ai entendu. Ouah, j'ai pas eu peur. Mais... non. Putain, la salope. C'est une femme? Ouais, c'est une femme, ouais. Elle en est après toi, je crois. What? Je peux passer par la fenêtre ou pas? Attends. Rentre dans notre maison, je t'avais dit, c'était trop bizarre. C'était trop calme. Sa mère! C'était trop calme! Je veux pas revivre ce qu'on a vécu la nuit précédente! Oh là là! Ok! On a pas de préservatif, madame! Non, mais même pas! On a même pas d'huile pour le corps là! Regarde sa tronche! Elle a juste besoin d'un putain de shampoing, elle! Elle m'a fait mal! Ouais, moi aussi! Ah! Ouh! Aïe! Je suis en PLS! On est en PLS! Oh putain, mais. Quelle idée d'avoir fait. Oh le bâtard. Vas-y. Vas-y, Shino, bats-toi. Je te regarde. Sauve-moi. Ah, je vais mourir. Ah, c'est bon. Oh merde, j'ai appuyé sur E pour faire restart. Ah, je suis trop bête. Non, mais t'es sérieux, tu m'as abandonné? Ouais, tu m'as abandonné. Je vais mourir ici. Donc, j'ai de l'argent, money. Tu veux de l'argent? Regarde. Ah. C'est ma maison. Ah, t'es là-bas, je vois le petit. J'ai un rendez-vous. Bon, allez. Oui. Les amis, on n'a pas le choix, on va devoir l'affronter. Cette putain de clocharde. Allez, viens là. Bitch, I'm ready. Ta-ta-la-la. Viens de battre. J'arrive, je suis juste à côté. Viens là, connasse. Ok, ils m'ont laissé. Ah, en plus, elle brûle. Elle est en train de brûler. Elle brûle. Je l'ai tué. Tu l'as eu. Ouais. Paquito. Regarde. Je suis fier de toi, mon Seigneur. Ami. Seigneur. Ah non, tu me ressens maintenant. Ah ouais, ah, je suis pas grossi. J'ai des lunettes avec avec une moustache. Ouais. C'est ça. Ouais, bah il y a des Paco. Les frères jumeaux. Voilà, attends. Hop là, voilà. Je vais faire cuire sa jambe. Ah, on va pas manger sa jambe. J'ai tes orteils. Bon, je te signale qu'à la base, on a une mission. C'est retrouver, oui, c'est Philibert, notre fils. Putain, Philibert. Mais bon, depuis le temps qu'il a... Depuis le temps... Paye ton couple en plus. Les jumeaux qui ont adopté un fils. C'est pas très, très sain comme relation, je pense. Non. Bon, depuis le temps que notre fils est avec eux, je pense qu'il s'est fait à cette nouvelle communauté, de toute façon, hein, j'ai envie de dire. Ouais, vaut mieux. Je pense qu'il est en train de... Il filme des joueurs avec eux, c'est bon, de toute façon, on l'a perdu, je pense. Hein. Depuis le temps, ça fait au moins 10 ans qu'il est avec. Ils ont dû l'amener dans une grotte, c'est certain, donc... Faut trouver une grotte. Allez, lâche ton petit doigt, mets-le en l'air et dis-nous où aller. Elle bouge pas, mais je suis sûr que c'est une tortue. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'était une tortue. C'était un piège. Ah oui, putain, il y en a. Non, là. C'était des pièges. Tu veux qu'on parle? On va parler. Allez, viens. Tu veux parler? On peut parler? Allez, vas-y. Dis-moi ton point de vue. Oh putain, j'ai commis ce crime devant un écureuil. Il est choqué. Du coup, je vais te tuer. Oh, le petit écureuil. Ah putain, j'ai voulu. Mais non, mais laisse l'écureuil. Mais hey, tu laisses l'écureuil. Paco. On s'attache tout de suite. Paco bis, on a faim. Cet écureuil. On a besoin de manger. Par contre, derrière toi, il y a une mouette si tu veux. Mais tu touches pas à l'écureuil. Ah putain, la crédibilité du mec comme ça avec son truc. Paco, bouge pas. Paco, tu bouges pas, je t'ai dit. Tu lâches cet écureuil, bordel de merde. Putain, tu fais tes conneries. What the fuck? Oh oui, tu l'as eu. Crame. Oh oui, crame. Putain, mais. Il y a des indigènes là-bas. Putain, le français, c'est dur, hein. Oh putain, il y a un truc qui a volé. What? C'est quoi? T'as vu ce qui vient de voler? C'est quoi, the fuck? Ouais, je l'ai vu, ouais. C'est quoi? Je sais pas.
qu'est-ce que c'est? Il y a une caisse qui est tombée d'un avion ou quoi? Non, on peut rien faire avec. Mais non, c'est ça qui est tombé, regarde. Attends, j'entends un bruit. Oui, il est là, il est à côté. Et en fait, il a balancé un carton. Eh, le mec, il travaille. C'est Colissimo. Putain, j'ai reçu mon colis. Attends, il y en a un qui arrive. Ah, il repart. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fout? Ok, bah, Colissimo. Ok. Ah, c'est la poste. On n'a pas signé. On n'a pas signé, revenez. Ok. C'est quoi ce délire? Il a sorti d'où cette bonne? Ah bah voilà, vous avez... Voilà. Non mais... Ah, non? Non, ok, bon, bah si vous voulez. Oh. Ok, le terrain monte. Ça veut dire qu'on se rapproche. De quoi? Exactement. Genre le guide de l'extrême, quoi. Le Bear Grylls, ouais, du pauvre. Ah, et un petit chemin. Attends, suivant ce chemin, je sais qu'il mène à Philibert. Philibert! Es-tu passé par là? Philibert! Si tu m'entends, réponds moi! Bordel de merde! Ah ouais, d'accord. On ne le retrouvera jamais! Philibert, tu es perdu! Oh, Chino, il y a un bateau! Vas-y, faut qu'on y aille! Ok, c'est bon, nous y sommes. Oh, mais c'est cosu ici! Du lait. Des cassettes. Missing children. Regarde, il y a un enfant center. Qui a disparu. Je suis sûr que c'est Philibert. Comme il le savait. Ah, il mange des crânes, d'accord. Oui, c'est très bizarre par contre. Peut-être regarde, un peu chelou. Je suis en train de regarder une photo. Je vois pas super bien. Oh putain, il y a une Bible. C'est un bateau évangéliste. Oh putain. Ok. Ok, on est au bon endroit. Ah, on peut sauver aussi. Missing. Oh, il a une sale gueule, l'enfant qui est disparu. T'as vu? Je suis pas sûr de vouloir le enfant de 40. Je suis pas sûr de vouloir le retrouver. Ah ouais, t'as raison. Moi, je suis sûr de pas vouloir le retrouver. Ah, il y a une cassette. Ah, c'est bon. Et pourquoi tu veux pas qu'on établisse notre petit nid ici, en amoureux? On pourrait. Ah, il y a un cadavre! Oh non, en fait, hein, j'ai rien dit, regarde! Attends, il y a une photo. Ouais, il y a un cadavre, ouais, c'est dégueulasse! Ah, il y a une photo avec. Ah! Oh god, regarde cette photo, c'est un. C'est un espèce de mutant. Vas-y, va là, regarde. Attends. Ah! T'as vu la photo? Regarde la photo. Regarde la photo. Ah! C'est un mutant, je sais pas quoi. Oh, mais c'est une meuf! Tu penses qu'elle a deux vagins en fait? Je pense qu'ils faisaient des recherches. Attends, je fais une sauvegarde ici. Oh putain, je pense connais pas non, je pense surtout qu'ils étaient à la recherche de ces monstres pour révéler au monde entier leur existence. Simplement, ça a capoté. Ah, ça a capoté que sévèrement. Et là, il y a une personne qui est morte dans son lit. Je pense qu'elle est morte d'une diarrhée aiguë, vu sa posture. Paco Bis, il faut qu'on trouve ce mutant. Il sait sûrement où est Philibert. C'est le top line. 3 weeks later. Oh my god, j'ai trouvé une grotte. Non, c'est vrai? Je te jure, j'ai trouvé une grotte. Comment, où ça? Elle est juste là. Non. Alors moi, je te propose de finir la maison, comme ça on peut sauver. Et on pourra continuer tranquille, vas-y. Tu vois. Oh, il y en a un, il a un truc énorme sur lui. Et l'autre, il est monté sur la maison. Et oh, la descend. Moi aussi, oh, je peux le faire. Voilà. On peut sauver. Dans le prochain épisode, ils exploreront la grotte qu'ils ont trouvée, l'anus de l'île. Arriveront-ils à se défaire de Monsieur 25 bras? Arriveront-ils à explorer la grotte que l'on appelle l'anus du monde? Ceci n'est pas un plagiat de Vanky Studio. Arriveront-ils à s'en sortir? Feront-ils l'amour sauvagement dans cette cabane avant le lever du soleil? Vous le saurez au prochain épisode. Bon, et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en likant, en partageant la vidéo. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.